Bonjour à tous. Aujourd'hui dans C'est pas compliqué, on vous explique comment gagner un match au rugby. Un match dure 80 minutes, composé de deux mi-temps de 40 minutes. Comment fait-on pour marquer des points? Possibilité numéro 1, marquer un essai. C'est-à-dire aplatir le ballon dans l'embut, la zone située derrière les poteaux. Un essai marqué vaut 5 points. Une fois l'essai marqué, un joueur appelé le botteur tape au pied. Buteur, tapez au pied, vous me suivez? Si le ballon passe entre les perches, il marque 2 points supplémentaires et on parle alors d'essai transformé. La pénalité. Si une équipe commet une faute, le capitaine a plusieurs choix. Nous reviendrons là-dessus dans un autre épisode. Le botteur peut essayer de taper au pied, et si le ballon passe entre les perches, l'équipe marque 3 points supplémentaires. Possibilité numéro 3, le drop. C'est la possibilité la plus compliquée car elle est dans le jeu. Un joueur qui récupère le ballon peut essayer de faire rebondir le ballon devant lui et de le taper au pied. Si le ballon passe entre les perches, l'équipe marque 3 points supplémentaires. Vous vous sentez prêt à tout comprendre d'un match de rugby? Abonnez-vous et venez découvrir les autres règles pour soutenir les Bleus.